Levantin Parisien, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire courte, très courte, 1 but à 0 face à Girona, le premier match nouveau format de la Ligue des Champions. Et je suis. Non, franchement, je suis pas content. Je suis pas content de ce résultat. Enfin, je suis content que le Paris Saint-Germain, qui s'impose, mais je suis très déçu. Ce soir, je suis très déçu. J'ai pas aimé le match de ce soir, j'ai pas aimé le comportement de nos joueurs parce que on voit nos joueurs, ils manquent l'intensité, de l'agressivité, il n'y avait pas d'envie, il y avait que dalle. Il y avait que dalle, je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. Oui, je me suis m'emmerdé, j'ai cru que j'allais m'endormir, j'ai cru que ça allait rester à 0-0 parce que vu que le Paris Saint-Germain, oui, ils ont fait un match de merde ce soir. Mais oui, on a un coup de chance. Paris marque un but grâce à Nuno Mendes. Heureusement que Nuno Mendes marque le but à la fin du match. Que Paris recherchait la victoire, les 3 points. Mais après, bon, le gardien il a fait une boulette. Il voulait prendre le ballon, mais il n'a pas pu le récupérer. Mais voilà. Alors, on va dire c'est un vidéo gag, un truc comme ça, tu vois. Mais bon. Non, franchement, je suis très déçu. Je suis en colère. Oui, je suis en colère ce soir. Mais là, première période, très timide. Très timide de nos joueurs. Il n'y avait pas de culpabilité. Ils ne montaient pas en puissance. Même s'il y avait des occasions, c'est mou, c'est faible. Là, c'est la catastrophe. Là, c'est le mimi, c'est la rara, la crocotte. Là, mais merde! Là, la première période, c'est de la merde, c'est de la chiasse. Alors que Zaïre Emery, il a tenté cette frappe, il a mis à côté. Asensio, bon, lui aussi, il a tenté cette frappe, il a raté. Mais non, très, très, très timide, première période, c'est mou. Ils bougent pas leur popotin, même si le Paris Saint-Germain a toujours les poussons de balle. Ça manque du jus, de la vitesse, des envies, tout. Mais là, on voit nos joueurs qui sont à l'ouest, ils marchent, ils font pas d'appel de profondeur, un truc comme ça, mais il manque plein de trucs, tu vois. Donc, 38e minute de jeu, bah, déjà, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Asensio qui sort à la place Colomani, parce qu'Asensio, il a senti une petite douleur, je pense que c'est pas trop grave. Mais voilà, bah du coup, première période 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Girona. Donc, première période catastrophique, de la merde, quoi. C'est très timide. Deuxième période, je trouve. C'est un peu pareil en ce première période, mais il y a un petit peu de mieux en mieux en deuxième période. Ils ont fait un peu mieux en deuxième période que la première. Dembélé. Oh là là, mais Dembélé, c'est pas possible! Comment t'as... Alors que Barcola, il est complètement tout seul, Barcola. Dembélé, je sais pas, il fait quoi? Il a toujours le ballon, il voulait faire un dribble, un truc comme ça face au gardien. Alors que Barcola, à gauche, il était complètement tout seul. Il a même pas fait la passe à Barcola. Que dalle, Il voulait faire son dribble, il voulait faire je sais pas quoi, en train de bégayer, il a foiré. Dembélé, il a complètement foiré. Il aurait dû faire la passe à Barcola, et là, il aurait marqué son but tranquillement. Mais non, Dembélé, il a fait le contraire, il garde le ballon, il fait son dribble, il a tout foiré. Il a tout foiré, ça aurait pu faire un 0 pour le Paris Saint-Germain, mais il a complètement foiré, il a tout gâché. Sinon, 62e minute de jeu, trois changements pour le Paris Saint-Germain. Ruiz qui sort à la place Neves, Barcola qui sort à la place Doué et Vitinha qui sort à la place Lee. Après, il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Bah, Hakimi qui a mis au-dessus dans les nuages. Dembélé, lui aussi, il a foiré. Il a tenté cette frappe, il a mis... au-dessus dans les nuages, mais alors que le but il est juste là, tu vois, mais il a tiré aussi fort que ça. Bon, après, Colomani qui l'a mis de la tête, il a failli marquer. Et Dembélé, enfin,
Il a tenté cette frappe, mais il a tiré sur la barre transversale et en même temps le gardien qui a touché le ballon. On va dire ouais, plutôt les deux parce qu'il y avait la barre transversale et le gardien qui le touche. Donc il a failli marquer le but pour Dembélé. Bah sinon, bah là, c'était à peu près pareil en première période. Il manque le but. Honnêtement, oui, il manque le but pour le Paris Saint-Germain parce que c'est toujours ennuyant. Toujours ennuyant, c'est. Là, comment dire, il manque des collectifs. Ça manque. Ils auraient dû faire un bon match, tu vois, ce soir. En plus, c'est la Ligue des Champions, c'est le retour. En plus, c'est chez nous, à la maison, au Parc des Princes. Bon, malheureusement, ce soir, il n'y a pas les ultras. Ils ont. C'était un guichet fermé. Enfin, il n'y a pas les ultras Auteuil. Bah, ils n'étaient pas là ce soir. Enfin, si, ils étaient là, mais ils étaient à moitié. Enfin, dans la tribune, mais pas. Dans la tribune Auteuil, mais à côté, quoi. Mais bon. Bref. Voilà, pour l'encourager. Et tout parce que il manque l'ambiance au parc, tu vois. Parce que là, il y a des ambiances, mais pas aussi ouf que ça. Mais oui, en même temps, il n'y a pas les ultras à Auteuil, mais ils étaient là. Mais voilà, il y avait guichet fermé virage Auteuil. Mais voilà. Sinon, bah, dans le temps additionnel, 90e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Nuno Mendes qui marque le but. Enfin, il voulait dribbler. Il met sa vitesse. Et après, il tente ses frappes. Bon, je pense que bon, c'était pas aussi fort, mais il a frappé, on va dire. Ouais, il a frappé normal, mais un petit peu fort, on va dire. Mais après, le gardien, je sais pas, il a fait quoi. Enfin, il voulait prendre le ballon, mais il n'a pas pu l'attraper. Enfin, c'est un mode vidéo gag, tu vois. Donc oui, un but chanceux. On a vraiment eu chaud aux fesses. Et moi, j'ai cru que ça allait rester un 0-0. Mais tellement que le Paris Saint-Germain, ils ont fait un match de merde ce soir. Mais voilà, heureusement que Nuno Mendes marque le but qui offre la victoire pour le Paris Saint-Germain. Un but à zéro. Oui, je suis content que Paris qui s'impose un but à zéro. Mais honnêtement, je suis dégoûté. Dégoûté, déçu. Enfin, ennuyant, tu vois, mais voilà, ils auraient dû faire un bon match, ceux qui font d'habitude, mais ils l'ont pas fait. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire, les 3 points avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Donc, fin du match, le Paris Saint-Germain qui s'impose un but à zéro face à Girona. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3 en gardien, Zhao 9. Donnarumma qui n'est pas là, il est blessé apparemment face à Brest. Je crois qu'il s'est blessé à la cuisse ou d'autres, je ne sais plus. Bref, donc Donnarumma, il n'est pas là ce soir, il n'a pas joué. Donc c'est Zhao 9 qui l'a joué ce soir et qui remplace Donnarumma. Donc Donnarumma, il s'est blessé apparemment face à Brest. Donc c'est Zhao 9 qui joue. Donc il n'a pas eu grand-chose à faire, Zhao 9. Donc il a joué son premier match sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain pour Zhao 9. Donc ce soir. Il n'a pas eu grand-chose à faire, donc voilà. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. À gauche, Ruiz. À droite, Zerimri. Et puis, trois attaquants, à gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et attaquant pointe en numéro 9, Asensio. Ah oui, j'avais oublié, il y avait un cinquième changement pour le Paris Saint-Germain, la 91e minute de jeu. Dembélé qui sort à la place Beraldo. Voilà, j'ai oublié de dire ça pour le cinquième changement pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a fait 65% de possession de balle. Côté Girona qui a fait 35% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 25 tirs et 6 tirs cadrés. Alors que le Paris Saint-Germain, ils ont fait beaucoup des occasions, mais on marque un seul but. Alors que normalement, on a dû gagner au moins 2-3-0, tu vois. 2-3-0, même 4-0, tu vois. 25 tirs pour le Paris Saint-Germain, on marque un seul but. À l'arrache, à la dernière seconde, quoi. Enfin, pas à la dernière seconde, mais dans la temps additionnel, quoi. Bref, Girona qui a fait 3 tirs et un tir cadré. Donc voilà la team, pas plus à dire. Donc oui, je suis dégoûté.
Mais j'ai failli m'endormir. Mais bon, voilà ce qui compte, c'est la victoire, les 3 points. Et puis, oui, je suis content que Paris s'impose. Mais malgré, c'était difficile. Ils ont galéré. Ça a été compliqué. Mais voilà, ils auraient dû faire mieux ce soir. Mais bon, voilà, ce qui est fait, est fait. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Girona. Un petit pouce bleu, commentez et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.